Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec le PES-Personne en VRGS 485 de Beurer. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Retirez la languette d'isolation du compartiment à pile. Posez le PES-Personne sur une surface stable et plane. Activez la connexion Bluetooth sur votre smartphone et installez l'application Beurer Health Manager. Lancez l'application et suivez les instructions. Saisissez vos données personnelles, date de naissance, taille et sexe. Allumez la balance. Sélectionnez GS 485 dans l'application. Saisissez les données relatives au PES-Personne, GS 485, le diminutif et le niveau d'activité. Montez maintenant sur le PES-Personne. Restez immobile en répartissant votre poids de manière égale entre les deux jambes. Le PES-Personne commence tout de suite la mesure. Le poids s'affiche. Les valeurs mesurées seront sauvegardées dans Health Manager sur le compte de l'utilisateur. Si l'application n'est pas ouverte, les nouvelles mesures affectées sont enregistrées sur le PES-Personne. Les valeurs enregistrées sont transférées à l'application quand vous ouvrez celle-ci à portée du Bluetooth et avez allumé le PES-Personne. Si une mesure ne peut être affectée à un utilisateur, le PES-Personne l'enregistre comme mesure inconnue. Après la mesure, le PES-Personne s'éteint automatiquement. Nous espérons que ce PES-Personne en VRGS 485 de Beurer vous apportera entière satisfaction. Gardez la forme.